Là, il faut qu'on reste top 200 jusqu'à la fin du mois. Donc pour l'instant, c'est bien parti, mais vous savez, c'est Hearthstone, hein, de temps en temps, vous allez avoir des jours très mauvais. Et vous allez vraiment des jours, tu sais, genre, où tu vas détester la vie, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive, hein. Ok, les gars, les gars, les gars. Là, on va partir du principe, tenez-vous bien, que c'est un zoo, ok? Parce que si c'est un contrôle, j'ai le temps d'avoir des bonnes cartes. Mais si c'est un zoo et qu'il prend le board en début de partie, moi j'ai pas d'anti-board. J'ai Agatha et Kalimos au tour 8, mais bon, je peux mourir bien avant. Donc je vais plutôt partir du principe que c'est un zoo et je vais m'assurer d'avoir le board en début de partie. Et donc je vais garder Puissance Terrestre et Flametin. La question maintenant, en partant de ce principe-là, c'est est-ce que Kalimos est une bonne carte à garder ou pas? Si c'est un zoo, c'est toujours une bonne carte Kalimos. Parce que bah voilà, ça va toujours être fort. Mais si c'est pas un zoo, si c'est un contrôle, j'avoue ne pas savoir quoi en penser. Donc est-ce que on le garde ou pas? Si c'est un contrôle, c'est nul. Si c'est un zoo, c'est lent aussi, en soi. Moi, je vais partir du principe que c'est un zoo et je vais le garder. Vous savez, je pense que les autres démonistes à l'heure actuelle sont moins forts. Peut-être ils sont plus forts contre mon deck. Je vous avoue que j'ai pas encore suffisamment d'expérience avec la decklist pour pouvoir vous donner un verdict correct à ce niveau-là. Mais je pense que le zoo est celui qui me fait le plus peur parce qu'il va développer un board de ouf et moi je vais pas pouvoir le gérer. 200 IQ. C'est parti les gars. C'est parti les potos. Là on parle. Là on parle. T8, tu es souvent dead face à un gros. Un tour 8 sans pièces face à un zoo. Bah en fait c'est le seul anti-bet, c'est le seul AOE de mon board. Dégâts de zone de mon board avec Agatha. C'est le seul. Ok? Après tu peux avoir effectivement Carniflore qui peut refaire le crit guard de ça ou de Agatha, mais techniquement c'est le seul. Donc je vois ce que tu veux dire, mais le truc c'est que. Comment tu fais? Je vais jouer ça, je pense. Voilà, de toute évidence, c'est un zoo, hein, donc là je pense qu'on peut se le permettre. Il a juste pas eu KL7, donc il a life tap. Cependant, on ne sait pas quelle version de zoo il joue. C'est possible qu'il joue la version. La version heal, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Donc parfait. Non, parfait. Non, pas parfait du tout, mais où est l'idée? J'allais dire, c'est possible qu'il joue la version heal et auquel cas, faut faire gaffe à la 4-5 qui va jouer sur son tour 5. Parce qu'il aurait pu la jouer sur son tour 4, mais la pièce c'est ça du coup. Du coup, on va juste gérer le board. C'est un petit peu problématique, mais là on arrive sur les tours effectivement où ça peut être un peu plus dur. Est-ce que je maléfice ça pour garder deux créatures ou est-ce que je rejoue juste deux créatures? Je pense que je rejoue juste deux créatures. La 1-1 est un très très bon totem et j'ai envie de le récupérer. C'est peut-être le meilleur à avoir, ok? Le pire à avoir, c'est le dégât des sorts. Donc si je totem là, j'ai 33% de chance d'avoir le dégât des sorts qui est absolument nul. Tandis que si je trade d'abord le ça, j'ai plus de chance, j'ai que 25% d'avoir le dégât des sorts qui est nul. Donc évidemment je trade d'abord et là je vais essayer d'aller récupérer la 1-1, c'est vraiment parfait. Super, voilà, exactement comme on l'avait prévu, bien entendu. L'idéal, ce qui est bien dans Hearthstone, c'est qu'en jouant bien, eh ben, le jeu te récompense. Ça fait plaisir. Très très bon top deck, ça passage. Aïe 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 aïe. La pression hein, qui est directement instaurée hein, par mon adversaire. Aïe aïe aïe, là j'ai rien moi. Et là c'est le scénario catastrophe, messieurs dames, où on a absolument rien. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. T'es le maléfice là, il sert à rien contre Zo, c'est terrible. Enfin, il peut servir contre Doomguard quoi, ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai l'élémentaire de feu, une tourmente brasier. Et il est déjà à 17 points de vie, on le rappelle quand même. C'est important de rappeler qu'il est déjà à 17 points de vie. C'est pas. Voilà, c'est pas. C'est bien qu'il soit à 17 points de vie, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est pas très grave, il prend pas les dégâts de toute façon. Enfin, il les prend, mais il les récupère après. Ça récupère le value trade ici, donc c'est plutôt cool. Attention, hein, attention poteau, t'es à 17. Tu es à 17, donc prends pas trop la confiance parce que. Moi, je peux m'énerver. Je déconne, bro, j'allais pas m'énerver. Aïe aïe aïe. Ok, c'est comment? J'aurais bien fait maléfice là-dessus et ça là-dessus. L'idée, c'est que je peux faire un monde brasé qui tape 5, donc c'est vraiment pas mal, mais je me dis. En fait, l'avantage de monde brasé, c'est qu'il est 6-6. Et donc, du coup, l'avantage qu'il soit 6-6, c'est qu'il peut récupérer le trail ici. C'est vraiment chouette hein, pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, ça meurt en fait sur Agatha dans tous les cas.
Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, c'est quand même monde brasé, hein. Ah, mais ça fait chier parce qu'il va avoir d'autres. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, on va commencer par lui en espérant récupérer un élémentaire 1. C'est nul ça. Ok, c'est pas grave, je vais garder monde brasé. De toute façon, au pire, ça peut mettre une patate dans sa tête. Et ça va taper 3 partout sur son barde au prochain tour, donc il y a moyen que de se mettre bien. Ok, 3 HP, ça sert bien qu'il le heal pas. Oh, ça c'est bien. Allez, que un barde à 3. Oh le bâtard, fuck. Oh, il trade pas ça. Oh, bonne nouvelle. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Garde, garde tes cartes, voilà. Yes, yes les gars. Oh lolo. Yes. Ok, donc là on fait ça. Ensuite on fait Kalimos et on tape 3 partout. Donc voilà, invocation d'air. Et là, c'est super ce qui est en train de se passer. Parce que maintenant qu'on a réussi à récupérer le bord, c'était très très dangereux. Parce qu'avec KL7, c'est compliqué pour moi de gérer ces créatures à tous les tours. Donc là, il m'a donné un super setup. Ah. C'est celui-là un peu. Ok. Pas de panique, mon chou. Est-ce que je fais ça dans sa tête et je tape face? Ça fait 6, 12, 13. Et il est à 6. Okay, le problème, c'est qu'à 6, j'ai toujours pas l'étal au prochain tour. Lui peut faire trade, trade comme ça. Mais je pense que c'est quand même ça. Hein. Go face, go face. Il peut pas avoir l'étal de toute façon. On fait ça. Et on joue ça aussi. Ça devrait le gêner un peu. Si je fais totem, la 1-1 elle est très nulle. La 1-1 elle est très très mauvaise. Parce que bah juste elle meurt. La 0-2 taunt elle est pas mal. Le heal il est pas mal. Et le dégât des sorts il est très nul. Donc j'ai une chance sur 2 d'avoir un truc très nul. Là je suis sûr d'avoir juste une 1-3. Ça m'a l'air meilleur. Ça m'a l'air meilleur. On va jouer là au milieu. Voilà, fais plus. Ok, ok, ok. Tranquillement. S'il a F-tap il est mort de toute façon. Rappelons-le. Non mais Lolo, qu'est-ce qui t'arrive d'être dans le top 100 depuis le début du mois? Les viveurs d'Arma vont penser que tu es bon. Ouais, le bâtard. Ah. Attends, les deux Doomguard ils étaient... Ah, les deux Doomguard ils étaient... Ok, intéressant. C'est dangereux le totem parce qu'il peut me donner le heal. Bon alors là le heal il servira pas à grand chose mais il pourrait me le donner, ça pourrait être embêtant. Ça me fait bizarre de te voir endosser le costume de joueur sérieux parce que moi je te connais, je sais qu'habituellement tu es volé dans les tréfonds durant les gens, dans rang 10 000 et plus. Non, ça dépend des saisons. Alors effectivement il y a des saisons, putain il a top des caméras cartes. Il y a des saisons effectivement où j'essaie plein de deck fun etc. Où on est plus dans un registre d'amusement. Et effectivement je suis plus bas en rang, il y a des saisons où on est plus dans un tryhard. Comme je vous avais promis la saison d'avant, cette saison j'allais tryharder et c'est ce que j'ai fait. Donc après... Après effectivement si tu suivais mes streams depuis on va dire si tu suivais pas mes streams à l'époque où je tryhardais, où j'étais souvent dans le top 20, top 10 et que t'as suivi à partir du moment où j'ai arrêté de tryhard, effectivement t'as peut-être pas l'habitude que je sois que je tryhard le jeu quoi, ça doit être bizarre, je comprends totalement ça. Je comprends totalement ça pour le coup. On va tuer lui. On va geler lui. Et on va totem. Carniflore il a compris quoi déjà? Carniflore il fait un Kalimos et tout, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal, là on a géré, ces deux Doomguard ils sont passés, ces deux Dreadlord sous KL7 sont passés. Là le KL7, vraiment vous avez vu à quel point le KL7 il fait mal quoi. Il lui permet plein de bons trades et tout. C'est pas fou pour moi hein. Ok. Oh waouh. Ok. Carniflore juste non? Allez, ça semble que ça le tue lui. Ok. Oh nice. Oh. Hop. Méga muscle. Yes. Top 50. Ah pas du tout. Oh. Il était 489 le mec. C'est pas de chance de tomber contre un 489. La raison pour laquelle c'est pas de chance, c'est que tu perds beaucoup de rang quand tu perds et tu gagnes pas beaucoup de rang quand tu gagnes. Donc si jamais t'as juste pas envie de tomber contre un mec qui est 400 et plus, tu vois. Parce que là, il y a plus de 3000 légendes, je sais pas combien il y en a, il doit y avoir beaucoup là maintenant. Donc, t'as pas envie de tomber contre un mec qui est bas, t'as envie de tomber contre un mec qui est dans le top 100, globalement. Le talent des biscottos. Carniface, exactement. Un létal très simple, hein. Fallait le voir, mais très très simple. Allez, super.
Alors, très content de cette petite decklist, moi, honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi, je suis plutôt. J'avoue que, en fait, elle est. En plus du fait qu'elle soit quand même pas mal efficace, elle est marrante, en fait. Elle est marrante, déjà, c'est nouveau. Je vous avoue que. Voilà, ça commence à être un petit peu redondant, les hunters, les trucs comme ça. Là, on est sur un truc assez original, et puis en plus de ça, bah, on fait que de gagner. On est quoi, à 5-0? On est à 5-0, les gars, hein, ça va vite, hein. Ça va vite. Alors lui, si mes souvenirs sont bons, il joue quoi déjà? Il joue père démon lui, père paladin pardon. Il joue père paladin si mes souvenirs ne me font pas défaut. Alors Phénix de la Fournaise, ça m'a l'air pas mal contre père paladin. Pour être franc avec vous, ça m'a l'air vraiment fort. Peut-être que je peux même garder Sculpte machin. En vrai, non en vrai j'aimerais bien, parce que lui il est pas mal quand même mine de rien. En vrai si je pièce lui après je peux faire lui. En vrai, je pense que. Je sais pas. Parce que lui, il est vraiment fort, c'est sûr. Mais lui. Je sais que si je pèse lui, il est fort après. Vas-y, on le garde. Vous savez quoi? Le truc, c'est que t'as même envie de garder la 4-5 et tout. Mais c'est quand même un match-up assez agressif. Donc j'aimerais bien avoir. Le Flamme-Teint, j'allais dire. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Là, on est. Il y a une certaine synergie entre ma decklist et moi. Je parle à mon deck me parle. Et vous voyez, ça, c'est pas forcément un truc qu'on peut voir partout. Ça, c'est un truc qui, clairement, est digne des plus grands. Je pense, on peut le dire. Gaffe, hein. Il sait ce que je joue désormais. C'est une très bonne carte puissance terrestre, mine de rien. Très très bonne carte. Cette curve. Non, c'est une curve fort aimable. Ça serait bien d'avoir un petit truc dessus. Pas un truc nul. Ok? Ok ou pas? Allez. Allez, on a dit ok. Allez, ok. Allez, on a dit ok. C'est pas le pire. Oh, c'est pas fou, mais je veux dire, si jamais ça tourne mal, on aura un petit rompeur. Mais l'idéal, c'est un petit rôdeur. Mais l'idéal, ce serait que ça ne tourne pas mal en fait. Ce serait qu'on s'en sorte avant que ça commence à mal tourner. Ce serait le feu, ça. Tu pensais m'avoir comme ça? Miam miam miam. Ok, prochain tour. Petit sculpte Pierre Tolvir. Tranquillement. Derrière, on enchaîne direct. Ah mince, parce que du coup, après, je peux pas faire ça. Parce que lui, c'est pas un élémentaire en fait, les gars. Oh, il a l'air con sec. Incroyable. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est fort ça. Ça, c'est très très puissant, les poteaux. En vrai, plus la game dure, plus je suis devant, je pense. N'oublions pas que moi j'ai joué un ex dans mon deck à Maléfice qui peut être vraiment très puissant contre sa decklist. Ça c'est pas de panique. Ça on s'en fout ça pour le coup. Ça c'est une carte de Batrang ça. Nul. Ok cool. En plus il le fait pas là-dessus. Oh trop bien. Trop bien. Ok on fait comme ça et on trade. Non, ne perdons pas l'esprit que c'est un deck agressif en face. Hein. C'est un deck aggro en face. Donc plus je garde. Plus je garde mes points de vie haut, mieux c'est. Enfin, c'est un deck aggro. C'est moins agressif que le paladin impair, mais c'est un deck qui peut quand même aller très très vite. C'est un deck midrange en fait. Ça, c'est vraiment un deck midrange pour le coup. Mais ça arrive de temps en temps qu'il te fasse pièce capte talent et ensuite il fait plus 4 dessus et t'es mort, tu vois. Donc, est-ce que c'est un deck aggro? Est-ce que c'est un deck contrôle? Moi, je sais pas dire, mais. C'est pas un deck contrôle, c'est sûr, mais. Un petit maléfice? Pas de petit maléfice. Dommage. On va faire ça et ça? Oh, waouh! Oh! Qu'est-ce qu'on prend, les gars? Ah là, c'est le moment où c'est important d'avoir le maximum d'expérience avec le deck. C'est pas encore le cas, mais bon, il faut bien le jouer. Il y a un début à tout. Là, j'ai pas suffisamment d'expérience pour choisir ici. L'idée, c'est que en face, il a les destriers à pointe, il a les capte-talents, etc. Ça peut être bien, par exemple, contre un capte-talent. Monde brasé, c'est extrêmement fort, mais la sentinelle, ça peut directement tomber au prochain tour avec. 2-2-3 taunts qui survivent aux consécrations, etc. Hein, ça n'a pas l'air dégueulasse. D'autant plus que Mande Brasier, bah, en fait, on en a déjà dans le deck, hein, finalement. Après, Alakir, Seigneur des Vents, c'est quand même vachement fort. Mais je pense quand même que c'est la Sentinelle en vrai.
Je pense que c'est la sentinelle. La sentinelle, ça me fait juste un super tour 7. Et on va passer. Est-ce qu'on joue ça cependant? Vas-y, venons, on joue ça. Enfin, c'est pas mal ça. Ça permet d'aller chercher un petit trade qu'on n'aurait pas pu aller prendre. Tu saurais mettre la decklist? Ouais, bien sûr, je vais. Après cette partie, rappelez-le moi, ok? Après cette partie. Déjà, après cette par... déjà, on essaie de passer, rentrer dans le top 50 après cette game, ok? Là, c'est le plan, c'est on rentre dans le top 50 après cette game et ensuite, plus de decklist. On en parle un petit peu et voilà. Ah, je suis content, ouais, je suis content. Vraiment, grosse surprise. Thaïs, il m'a déglingué. Il m'a mis 2-0 en moins de 5 minutes avec cette decklist là. Puis après, j'ai un petit peu copié. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si lui il a fait top 18 légende avec, c'est qu'il n'y a pas de raison, pas moi. Il a déco, je crois. Hein. Il a déco. Il a déco, mais il était top 18 ou une connerie. Quelle situation intéressante. Parce que là, si je fais lui, quand même vachement fort. Lui, c'est quand même vachement fort. Après, je peux faire trade, trade. Et après, je joue lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, je peux faire élémentaire de feu, trade, trade aussi. Mais bon, lui, il a une bonne curve quand même. Oh, après, je peux faire élémentaire, monter élémentaire aussi. Oh, waouh! Ok, j'aime bien ça. Ah, j'adore le concept de ça, ouais. Ah, ça, c'est pas mal ça. Ok, on va faire comme ça. Et comme ça. Et ensuite, on va développer lui, ok? Ça a l'air pas mal. En plus, lui, il est plus fort sur Corniflex. Ok, cool. Donc là, tu penses qu'un analyste financier peut aller au Yémen? Bah non, tout partout sauf le Yémen. Le Yémen, faut avoir une autre profession que ça. Tu n'as pas copié, tu t'es inspiré. Oui, bon après je me suis inspiré. Même ça, c'est un mot relativement fort. Moi, je dirais même que j'ai eu l'idée et qu'il s'avère que Thaïs a eu la même. Hein. Pour le coup, moi, ça m'étonne pas trop parce que lui, il s'inspire souvent de moi, étant donné que j'ai quand même le palmarès du meilleur joueur du monde. Bah, particulièrement étonnant que. Qu'un joueur comme Thaïs ait l'envie de s'inspirer des plus grands, hein, c'est normal, je veux dire, faut pas lui en vouloir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça et ça, je pense. Comme ça, lui, il met trop la misère à son arme. Yes! Ah, j'adore être sournois. Le truc, c'est que aucun n'est particulièrement fort, je pense que c'est juste lui en vrai. Ah, lui, il est pas mal en vrai. Le heal, il est pas mal. Si ça tourne au vinaigre, le heal, il est chouette. Ce taunt-là, il met trop la misère à Valanir, donc c'est Valkanir? Non, Valanir, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai les Valkanir. Tu as une bonne tête, Loelo, je t'aime bien, t'es doux. Oh, c'est gentil ça, l'homme. Oh, un petit message sympa, ça fait plaisir. Je pas souvent. Les temps sont durs, vous savez. Patrick Balkanier. Ouais, ce serait plus Balkanier, mais Patrick Balkanier. Quelle voie choisir? Oh, c'est dur. Oh, ça fait mal au boule ça. Mais après, faut pas que ça buffe un truc de ouf. Ok, ça a l'air cool. Parce qu'il a ciblé cette carte-là, donc j'ai l'impression qu'il voulait que ça buffe celle-là. Ça a l'air cool parce que ça a l'air d'avoir buffé. Ah, j'ai mal vu? Ah, j'ai mal vu alors peut-être. Bon, my bad, j'ai mal vu. Ok, ça arrive à tous, ça arrive à tous. Pas de panique, mon chou. La cavalerie est arrivée. On fait quoi? On peut trade là. On se heal un peu. On fait élémentaire de feu dans sa tête. Et on bourre comme Jaja! Oh, tout droit! Tout droit, les poteaux. Il a déjà joué, on le rappelle. On le rappelle, ne l'oublions pas. Comment ça s'appelle déjà? Un Destria Point. Il a déjà joué un Destria Point. Donc là. A priori, on pourrait juste se mettre bien avec un petit monde brasé dans sa tête au prochain tour. Et paf! En consécration, numéro 2. On le rappelle, numéro 2. Ok, ça tue juste une 4-2 pour l'instant. Tant que lui, il peut pas connecter double face, moi ça me va. Oh waouh! Il peut tuer des trucs par contre. Il va peut-être l'envoyer dans la 2-2 à droite. Oh non! Ok. C'est ambitieux ce que tu fais parce que tu pars du principe que tu vas pas mourir là. Surtout si tu traduis. What? What? Un homme ambitieux en face. Oh là 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 les gars! Let's go! Oh yes! 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 Yes!
Top 46. C'est parti, ça part de là, messieurs dames. Ça part de là.